Mauvais haut en tant que pôle de compétitivité est en fait un réseau qui rassemble des entreprises, des institutions de recherche, des collectivités sur un territoire et sur un métier. Les principales activités d'un pôle de compétitivité sont de faire fonctionner ce réseau pour monter des projets collaboratifs entre ses partenaires et qui permettent d'accéder à des financements pour de l'innovation dans le domaine des transports, pour la mobilité. On peut observer que la voiture électrique peut d'abord être une voiture à usage partagé. Le véritable propriétaire de la voiture électrique ne serait pas l'individu, mais une société, un gestionnaire de flotte par exemple, qui pourrait mettre à disposition chacun de ses véhicules à une communauté qui va s'adresser à cette flotte-là. Un autre usage que l'on aperçoit au niveau de la gestion par flotte, c'est les taxis parisiens qui vont proposer une solution de véhicule électrique et qui résolvent par là le problème du coût du véhicule et le problème de l'infrastructure de recharge. Un troisième usage que l'on pourrait aussi obtenir du véhicule électrique, au niveau des navettes ou des véhicules modulaires qui permettent de proposer des solutions de logistique sur le dernier kilomètre. De plus en plus, les offres de mobilité doivent prévoir ce qu'on appelle le porte-à-porte. Une bonne offre de mobilité, c'est une offre qui prévoit toutes les intermodalités qui sont nécessaires pour un usager pour passer de son domicile à son travail. Donc les NTIC sont des outils d'optimisation de ces différents éléments de la mobilité, de ces différents chaînons de la mobilité. Tout d'abord, on voit des enjeux au niveau de l'économie, c'est-à-dire le coût de l'énergie, mais aussi au niveau de l'impact que peut avoir la congestion, par exemple, dans les transports sur l'économie d'une région. Deuxième tendance que nous observons, c'est l'aspect communautaire. Pour son déplacement de quotidien, par exemple, pour aller au travail, en mixant ces deux tendances-là, une personne peut être amenée à chercher une solution qui ne va pas s'appuyer sur un véhicule personnel, mais qui va s'appuyer sur un véhicule qui va partager. Aujourd'hui, les gens prennent beaucoup plus conscience de leur impact sur la société et vont regarder l'impact que peuvent avoir leurs véhicules personnels sur le réseau public. Et ils vont chercher à proposer, à utiliser des solutions qui sont plus partagées, qui seront plus soucieuses de l'environnement, de l'écologie.